Sur le marché, il existe beaucoup d'écouteurs Bluetooth. On a bien sûr les AirPods d'Apple qui dominent le marché. Et il y a des marques comme Meizu, une marque très connue dans le monde audiophile, qui s'est lancée il y a maintenant plus de 10 ans sur le marché chinois et qui propose des smartphones sur le marché européen, donc notre marché, qui propose des smartphones avec une qualité audio qui est vraiment très bonne. Et bien parce que Meizu, c'est une marque qui s'intéresse beaucoup à l'audio. Dans chaque téléphone, il y a un traitement qui est vraiment très bon. Et cette fois-ci, je vais vous présenter des écouteurs Bluetooth avec bien sûr 100% Bluetooth sans fil de chez Meizu, la deuxième génération des Pop 2. L'année dernière, Meizu a sorti les Pop 1, donc les petits écouteurs Bluetooth qui étaient en Bluetooth 4.1, donc ce qu'il y avait la génération ancienne génération. Et cette année, ils reviennent avec les Pop 2. Donc la nouveauté, c'est qu'ils passent en nouvelle génération, donc Bluetooth 5. Donc ce qui les rend plus stables, meilleure autonomie, etc., etc., on va en reparler. Il y a aussi une nouvelle puce de codec de son, donc qui fait que les écouteurs sont un peu plus performants de l'année dernière, mais ce qui va être vraiment l'avantage sera le Bluetooth 5 où ça va faire quand même une sacrée différence. Autre point, et là c'est un point négatif, c'est que les anciennes générations, le boîtier était compatible charge sans fil, et cette année, malheureusement non, ils sont pas charge sans fil, et voilà, vous les branchez en USB type C, et ça sera tout. Les écouteurs, comment ça se présente? Bah, vous avez un boîtier classique, vous les ouvrez, vous avez les deux écouteurs, hop, qui sont aimantés, donc on peut les enlever. Ils se connectent avec deux petits picots, là aussi, bah, du coup, aimantés pour charger les écouteurs, c'est la seule façon de les charger. Pour charger le petit boîtier qui a une batterie de 350 mAh, ça charge en USB type C, donc le câble est fourni dans la boîte. Il y a bien sûr d'autres embouts fournis dans la boîte en fonction de vos oreilles, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau de la charge, ça prendra à peu près 2 heures à charger le boîtier et 1h30 à peu près pour charger la paire d'écouteurs dans le boîtier. Je précise qu'au niveau de l'autonomie sur la paire d'écouteurs, on sera à 6 heures contre 3 heures l'année dernière. Et au niveau temps total, on pourra faire 2 recharges de plus avec le boîtier, donc 2 recharges de la paire d'écouteurs. Donc des écouteurs de très bonne qualité, de très bonne finition. Je précise qu'ils sont IPX5, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent résister aux projections d'eau. Donc en gros, dans la réalité, ça va donner que si vous faites du sport avec, eh bien vous pourrez transpirer sans problème, les écouteurs vont résister. Et si par exemple vous courez et qu'il pleut, ou vous marchez tout simplement, eh bien là aussi ils sont résistants à l'eau, alors aux projections d'eau, pas à l'immersion dans l'eau, il faut bien le savoir. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Ces écouteurs bien sûr sont tactiles, alors tactiles juste au niveau de la zone d'écriture Meizu, où dès que vous faites un tap dessus, vous mettrez en pause votre vidéo ou votre musique en fonction du média que vous regardez sur votre appareil. Ce qui va se passer, c'est que si vous faites double tap sur le côté droit, sur l'écouteur droit, vous allez faire la musique suivante par exemple, et sur l'écouteur gauche, ça sera la musique précédente. Donc c'est des petites fonctions intuitives, mais personnellement, moi c'est mon avis, devoir toucher exactement l'écouteur au bon endroit, souvent je me trompe, donc du coup bah je le fais avec ma montre. Donc cette fonctionnalité je l'utilise pas forcément, c'est plutôt le mode pause que j'utilise. Après à savoir que le mode pause, il y a un sacré temps de latence au moment où on appuie dessus et au moment où ça met en pause la musique. Alors moi j'utilise Deezer, je sais pas ce que ça fait avec Spotify, mais en tout cas avec Deezer ça prend un peu de temps. On va parler maintenant de la qualité audio. Alors ces écouteurs coûtent 50€ sur AliExpress, et que sur AliExpress, je les ai trouvés que sur les sites chinois en fait. Tout ce qui est Amazon, Cdiscount, laissez tomber, c'est introuvable pour l'instant. Peut-être dans quelques mois, mais pour l'instant non. Les écouteurs sont donc du coup des Meizu, donc on peut se dire de la bonne qualité. Et c'est le cas. Pour 50€, autant dire que vous ne pouvez pas vraiment trouver mieux en termes de qualité audio. Les écouteurs sont de très très bonne qualité, point de vue médium, aigu et grave. Ils sont nickel partout. Je précise qu'ils ont calibré un petit peu plus du côté grave. Alors du coup, si vous préférez les aigus, il faudra utiliser l'equalizer. Mais par défaut, ce sera un petit peu du côté grave. Donc important à savoir. Mais personnellement, je trouve qu'ils les ont très bien réglés. Le son est nickel partout. Il y a un bon dynamisme. Donc c'est très agréable à écouter, on n'a pas une sensation de fatigue au bout de, par exemple, une demi-heure de musique. Le son est très bien calibré, et c'est vrai que pour 50€, je m'attendais pas du tout à une qualité audio aussi bonne, et j'étais assez étonné. Les écouteurs dans les oreilles ne sont pas dérangeants. Alors après c'est en fonction de chacun, hein. C'est vrai que d'autres écouteurs ils vont pouvoir faire mal, là ils tiennent très bien. Vous les mettez, ils tombent pas, vous pouvez courir avec, ils ne tombent pas.
ils sont agréables. Au niveau de l'immersion, au niveau de la suppression de bruit, là c'est vraiment un très très bon point. Les écouteurs suppriment énormément de bruit. Alors il n'y a pas de micro qui supprime le bruit, c'est pas marqué, mais dès qu'on met l'écouteur, on l'entend très peu. Le bruit ambiant est étouffé, mais vraiment très bien étouffé. Donc ça, c'est une bonne conception de design qui fait que si quelqu'un parle à côté de vous, vous l'entendez très peu, même sans musique. Donc c'est assez étonnant à ce niveau-là. Pour conclure cette vidéo, les écouteurs Meizu Pop 2, vendus à 50€ sur AliExpress. Eh bien, c'est des écouteurs que j'étais assez étonné, d'ailleurs, pour tout dire. Des écouteurs qui sont de très bonne qualité, qui ont une autonomie de très bonne qualité aussi, faut le dire. 20 heures au total avec le boîtier, et 6 heures la paire d'écouteurs seule, c'est vraiment très bon. Alors, il y a des écouteurs qui font mieux, mais pour le prix, disons que c'est vraiment du très très bon. La qualité audio, bah, c'est un petit peu ce qu'on attend sur des écouteurs, et là, elle est vraiment nickel. Et au niveau du confort, c'est vrai que les écouteurs, j'ai quand même du mal. Et là, je me suis dit, bon, on va acheter des écouteurs, on verra bien. Je me suis dit, c'est des Meizu, donc normalement, ça va être bon. Et effectivement, au niveau du confort dans les oreilles, ça me dérange pas. C'est pas agressif, ça me fait pas mal aux oreilles au bout d'un certain temps. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très bon. Donc des écouteurs Pop 2 de chez Meizu que je recommande beaucoup. Je vous mets un lien en description. Et donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur les écouteurs, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !